Salut, c'est Ribus. Aujourd'hui, on est mercredi, puis mercredi, c'est quoi? Ben, c'est cours devant les arbres, puis c'est tout. Hein. J'étais sur les pistes, en haut par là, puis j'ai pris une volataille, briqué le dos, puis commencé à taper la discute avec un frouze, un français. Le type, mon pauvre ami, mais juste bête à bouffer du foin, un gnoba, celui-ci. Moi, je te dis, il a trop flûté l'école. En résumé, ça veut dire un bourrique donne. Alors attention, je lui ai expliqué que j'étais allé voir l'assurance maladie qu'on paye 400 balles par mois pour avoir le droit d'être malade ou blessé, mais que finalement, si t'es malade ou cassé, c'est quand même à toi de payer jusqu'à 2000 balles. La franchise, avant qu'il te rembourse quoi que ce soit. Oh, il a tiré la gueule, il m'a dit 400 balles, c'est mon salaire annuel en bas chez moi par la France. Alors j'ai dit attention, parce que c'est pas tout. Tu dois payer 400 balles, c'est obligatoire pour être remboursé. Au cas où t'es malade ou briquet, tu comprends. Par contre, attention, si t'as un problème de dos, ils vont mettre ce qu'ils appellent une réserve. Alors là, je t'explique, ils vont pas rembourser tout ce qui se rapproche de près ou de loin à ton problème de dos. En fait, ben, si tu veux, ils remboursent tout, sauf ce que t'as besoin. Hein? Alors le gars de l'assurance, j'ai été le voir, le bubble, il me dit, monsieur Gibus, je vois une réserve sur le dos, on pourra rien faire pour votre coccyx enfoncé. Je vous souhaite un bon rétablissement. Je lui dis, mais merci, tartempion des neiges, va. Hein, on paye de plus en plus cher, on a de moins en moins remboursé, puis tu me dis que vous avez de moins en moins de sous. Moi, je te dis, il y a quelque chose qui cloche, ou alors je suis accrédité à des Alpes, qui ne comprend rien. Hein. Pourtant, moi, j'ai l'impression que c'est pas tant compliqué à comprendre. Hein. On nous prend pour des vaches à l'œuf, hein, qu'on en tube comme ceci, avec le sourire. Oh, en Suisse, mieux vaut être riche puis en bonne santé hein, que malade puis fauché. Non, c'est pas vrai. En Suisse, mieux vaut être malade et riche. Parce que si t'es vivant puis en bonne santé, ou alors mort, malade ou mort en pleine forme, ben tu rapportes plus rien. Voilà pourquoi, pour faire marcher l'industrie par chez nous, au pays, ben il faut être vivant puis malade. Allez, salut les sauvageurs valaisans. Puisque tu penses de moi, ben je m'en bats les couilles et puis c'est tout. Adieu, bonne.